Qu'est-ce qui s'était passé en fait, Nathalie, la dernière fois à Pau? Bah, tout simplement, déjà la jument elle aime pas trop le terrain quand il est trop lourd. Et là j'avais du mal à suivre et elle a vu la tête tourner dedans et du coup en dedans et puis bah, elle a coupé le fromage. Ouais, c'est dommage, elle avait laissé des regrets parce que j'imagine que vous y comptiez dans le quintet. Oui, tout à fait. Maintenant ce jour-là, c'est vrai que le terrain était quand même trop lourd pour elle, donc je pense qu'elle aurait eu du mal à faire l'arrivée, mais bon, c'est dommage qu'il y arrivait quand même. Aujourd'hui elle remet complètement les pendules à l'heure dans un bon lot manifestement. Oui, tout à fait. Bah, j'étais très confiante avec elle aujourd'hui parce que bah, déjà la piste à Toulouse, même si c'est pas léger, c'est quand même pas le lourd qu'il y avait à Pau. Et je me doutais qu'elle allait bien s'adapter à ce parcours-là. C'est un parcours très, très sautant. Ça lui redonne un petit peu de boost et d'entrain. Voilà, c'est bien fait. C'est des bonnes lignes. C'est limpide. C'est tout pour elle. À quoi peut ressembler la suite de son programme? Vous en avez, vous, une idée vers quoi elle pourrait être dirigée au printemps? Bah, on va voir avec son propriétaire et son entraîneur. Maintenant, dans l'idée, on s'était dit que si elle faisait bien aujourd'hui, on irait peut-être sur le Grand Cycle de Toulouse.